Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je suis bien excité à faire parce que ça va être un peu épisode de nostalgie pour les gens qui me suivent depuis le début. Je suis dans les Vosges. J'ai réussi à me libérer 3 petits jours dans cette tournée du film pour aller marcher dans tous les coins qui ont marqué beaucoup de mon expérience de randonneur au fil des années. Donc on va aller monter vers le Honeck. Là il est assez tard, le soleil va se coucher, donc je pense que je vais finir la rando d'aujourd'hui dans la nuit puisqu'on va essayer d'atteindre le Fischbödel. Un lac magnifique qui est sous le Honeck. Et là il fait beau, mais les jours qui arrivent, il prévoit 80 km/h de vent, jusqu'à 30 cm de neige. Donc je pense que ça va être bien vénère. Mais voilà, j'avais 3 jours. Voilà, je suis trop content. C'est vraiment trop cool de retrouver les Vosges après 4 ans sans y avoir foutu les pieds. Et ma foi, c'est parti quoi. À gauche, la vallée de Mittlar, et à droite, on rentre dans l'une des vallées les plus belles des Vosges sans aucun conteste, la vallée de la Wormsa, un peu la vallée des merveilles, moi je l'appelle. Et là ça démarre doucement, mais très vite on va arriver sur des jolies cascades. Allez, c'est parti. Le Honeck au loin, voilà la petite cabane là. Avec du Fischbödel, ça y est, on y est. On voit rien, vous le verrez demain, mais mes yeux, ils focusent un peu mieux que la caméra. C'est super joli, exactement comme je me souvenais. Ce lac de Fischbödel, il représente énormément pour moi. J'ai invité beaucoup d'amis ici. Ça va être aussi ma première randonnée dans les Vosges quand je les ai découverts. Et ouais, j'ai eu des très bons moments. Il s'est passé beaucoup de choses avec ce lac. Donc ça fait un peu bizarre, je vois un peu des fantômes là, un peu partout autour de moi. Mais c'est chouette quoi. C'est l'heure d'aller se coucher, le vent s'est levé là, ça souffle assez fort en vrai. J'espère que je vais pouvoir dormir. Voilà, je me retrouve demain sous la tempête, ça va être incroyable. Bonne nuit, ciao, à demain. Bonjour tout le monde. Bon. Nuit compliquée, hein. Il a fait un vent de dingue toute la nuit, ça m'a réveillé, très mal dormi. Bon, il pleut aussi, accessoirement, mais... C'est pas joli ou quoi? Et voilà, c'est les Vosges. Le Fischbödel. Il flotte de ouf. Ça donne pas du tout envie, il fait froid aussi. Mais bon, ça va être chouette. En vrai, je vais être trop content une fois que je serai parti. C'est juste toujours très difficile de faire le premier pas. Mais bon, allez, c'est parti pour aller vers le Honeck. Que des chutes reprises. Là que des chutes reprises avec le Honeck en haut, dans les brouillards. Et moi je crois que je vais monter par là, plutôt par le petit Honeck. Parce qu'à gauche là, il flotte beaucoup et je vais être plus exposé. Du coup autant y aller mollo. Et voilà. On va monter par le petit Honeck. Là-haut, ça va être la drache, hein. Sort de la forêt. Ça va être des Spitzkopf en face dans les nuages. Le Honeck là-bas, dans la brume. Ah, en tout cas, c'est bien joli, hein. C'est du bien de retrouver les petites Vosges. Même si c'est dégueulasse le temps. Ouah, je me fais dracher, quoi.
fou. Vers le Monac là-bas. On arrive de là-bas. Ouais, c'est vraiment un temps horrible. En bas, ça allait encore. Ici, ça c'est vraiment fort le vent. Avec le Brésil en plus. Ouais. Défoncé avec au moins 5 km/h de vent, franchement j'avais du mal à tenir debout. Oh, c'était violent. Hello. Bon. Ouais, je sais, ça change d'ambiance. Je suis dans ma tente. Parce que ça allait vraiment pas et impossibilité de trouver un endroit à l'abri ou quoi. Enfin, j'étais très exposé, quoi. Voilà, donc... Après-midi, repos dans la tente. J'ai du mal à me réchauffer. C'est... Ouais. Le 0 degré de merde, en fait. Je crois que c'est vraiment ça. C'est le 0 degré. Moi, j'appelle ça le 0 degré de merde. C'est les températures à 2 degrés avec de la pluie, donc il fait très froid, mais à la fois pas si froid pour que ça neige, et la neige ça mouille pas. Du coup on est trempé et très rapidement en fait, en quelques heures, bah on finit un peu gelé quoi. Bon, c'est ce qui va arriver, après rien de grave. Hein. J'ai du matériel en backup et tout, mais bon. Ouais, c'est des trucs à penser quoi, quand c'est 2 degrés à peu près ou quoi. Avoir des affaires de change, de rechange, avoir du matériel qui peut rester au sec pour... Bah genre voilà, typiquement quand on se fait prendre un peu dans une tempête comme c'était le cas là, de pouvoir se poser et rester chaud. Et encore moi j'ai un peu mal géré mon truc où je suis vraiment limite là. Donc demain je sais pas si je repars ou si je rentre, parce que ça va dépendre de la météo, parce que là c'est clair que j'ai pu faire ça une fois mais... Je pourrais pas le refaire la deuxième fois parce que toutes les affaires vont être trempées. Voilà. Si au moins cette histoire permet de vous transmettre 2-3 trucs à pas faire, c'est bien. Ça y est, il fait nuit et je me suis réchauffé aussi, ça fait du bien. Ouais, c'était assez chaud là. Je pense que j'ai fait un peu un début d'hypothermie ou quoi. La température du corps a baissé. Du coup, j'arrivais pas à réchauffer le tout. Mais ça va mieux là, je suis en train de me faire des pâtes. Et puis on verra demain ce qu'on décide de faire en fonction de mon état, de l'état des fringues aussi et tout. Enfin voilà. Bien le bonjour. Il a pas mal neigé cette nuit. Regardez. Appelez. J'ai bien dormi, pas froid. C'est nickel et là je sais pas ce que je vais faire. Je me tâte à rentrer direct. Parce que j'ai les affaires trempées en fait, et c'est vrai que profiter de cette neige et des Vosges toutes blanches, c'est vraiment vraiment chouette. Donc voilà, je sais pas, je me tâte, je crois que... Allez, on est parti. Ça, ça n'a pas été si dur que je l'imaginais. Ah putain, ça fait une planche. Ciao bivouac. Merci pour la nuit. Ouais. Allez. Bon bah c'était pas si terrible en fin de compte. J'ai même chaud là, je suis bien. Après faut se méfier hein, parce que... Re la pluie et c'est re la merde, mais là ça va bien en tout cas, ça fait du bien là. Parce que c'était un peu dur quand même hier. Donc on va voir, là ça se couvre, il y a eu un petit rayon de soleil et tout. Donc on verra. A toutes. Bon les amis, de retour à Orbey.
c'est là que va se terminer cette vidéo. Je suis désolé, c'était un peu haché, c'était un peu le bordel. Et je vous rappelle qu'il y a mes films que vous pouvez regarder et qui permettra de financer cette chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous.